Bonjour mes amis jardiniers, un petit aperçu des courgettes. Il y en a une, deux, trois et quatre là derrière. Une autre derrière. Il y en a quatre qui sont bien formées, en train de grandir. Je vais pas les récolter maintenant, je vais les laisser pousser encore. Il a bien plu, donc c'est super, parce que là c'était la grosse chaleur ici chez nous. Et ce que je voulais vous montrer qui est super marrant, c'est que ça c'était le pied initial de courgette. Et vu qu'il avait un petit peu filé, qu'il était à l'horizontale, ben il s'est appuyé. Et là ça a refait un deuxième pied avec des racines. Donc finalement les racines elles partent de là maintenant. Donc il est enraciné deux fois, une fois ici et une fois là derrière. Je trouve ça marrant la nature. Donc une petite mauvaise herbe, hop, au revoir, là aussi. Voilà, donc avant de partir, je lui ai mis de l'engrais, des petits granulés là. Et en grattant un peu la terre pour incorporer l'engrais, je vois qu'il y a plein de racines en surface. Vous voyez, on les voit là. Hop, tout ça c'est les racines de la courgette. Donc finalement les racines elles descendent pas profond, elles poussent quand même pas mal en surface. Vous voyez, on les voit bien. Donc ce que je vais faire, je vais pas trop non plus trop lui abîmer ses racines en griffant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un peu de compost en surface pour enrichir un peu la terre en complément de l'engrais, mais surtout pour recouvrir un tout petit peu les racines et l'engrais que j'ai mis. Et au fur et à mesure qu'il pleuvra ce week-end, parce qu'ils annoncent pluie, ce qui m'évite de demander trop aux voisins d'arroser, ça m'arrange, et ben ça incorporera les nutriments du compost dans la terre. Donc voilà, je rajoute un petit coup. Et ce qui est super quand on s'absente quelques jours, c'est que quand on revient, et ben, au potager, il y a plein de changements. Alors que quand on les voit tous les jours, toujours un petit peu, l'évolution est plus lente. Et quand on revient après quelques jours d'absence, c'est super. Peut-être que je vais les récolter en revenant. Voilà, bon week-end à tous.